L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les Terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. Le premier contact de l'humanité avec une espèce extraterrestre eut lieu en 2157. À cette époque, l'Alliance autorisait les flottes de reconnaissance à activer les relais cosmodésiques en sommeil. Or, cette pratique était jugée dangereuse et irresponsable par les races soumises à l'autorité du Conseil. C'est pourquoi la patrouille turienne, qui découvrit pour la première fois une flotte humaine sur le point d'activer un relais, attaqua sans sommation. Un seul appareil humain survécut et se réfugia sur la colonie de Shanxi. Les Turiens, qui avaient suivi le vaisseau en fuite, décimèrent les forces locales sans peine. Ils occupèrent alors Shanxi, première et seule planète humaine en date à avoir été conquise par une race extraterrestre. Les Turiens pensèrent que la poignée de vaisseaux qu'ils avaient détruits constituait le gros des défenses humaines. Ils furent par conséquent pris au dépourvu lorsque la deuxième flotte, commandée par l'amiral Castani Drescher, lança une contre-offensive dévastatrice qui repoussa l'envahisseur hors de Shanxi. Les Turiens se préparèrent alors pour une guerre totale, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention du reste de la galaxie. Le Conseil intervint promptement et imposa une trêve. Ainsi se soldait la guerre du premier contact par une issue diplomatique, fort heureusement pour l'humanité. Le berceau de l'humanité entame un nouvel âge d'or. Les richesses générées par les matières premières d'une douzaine de colonies et d'une centaine d'avant-postes commerciaux permettent à l'industrie, au commerce et à l'art de prospérer. Les grandes cités verdissent grâce aux arcologies et à la généralisation du télétravail qui permettent une meilleure utilisation de la surface au sol. La Terre est toujours divisée en nations, mais toutes sont unies sous la bannière de l'Alliance interstellaire. Si les êtres humains jouissent d'une vie plus longue et plus heureuse, les inégalités ne cessent de s'accroître. Les nations les plus développées ont éliminé la majorité des maladies génétiques ainsi que les problèmes de pollution. Les régions les moins favorisées, en revanche, n'ont pas évolué technologiquement depuis le XXe siècle et leurs taudis surpeuplés suffoquent sous la pollution atmosphérique. Le niveau des mers s'est élevé de 2 mètres au cours des deux derniers siècles et les abus environnementaux du XXIe siècle ont provoqué un dérèglement climatique sensible. Cependant, les dernières décennies ont aussi vu des améliorations significatives dans ce domaine grâce aux avancées technologiques récentes.